إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، être parmi ma nation qui nous fait aller en quantité tous les jours et au contraire nous capables de dire ces actions-là les représentent un tiers de nous la vie, c'est action de Naomi. Alors un dimon par exemple s'il arrive là 60 ans, nous capables de dire qu'il y fait une dépense presque 20 ans de cela vie dans Naomi. Alors si le jeune dimon il dormit d'une moyenne de 8 heures par jour, alors chaque jour il dormit un tiers de sa jour-là. Alors ça fait nous comprendre qu'un dimon de ce l'existence, c'est un tiers sur la vie qui peut finir de dormir. Alors, une action pareille, pénalute, ça constait les temps qui nous dépensait dans cette action-là. L'islam fait une bise, enseigne-nous tout bonne petite chose qui nous supposait connaître concernant dormir. Alors, Inch'Allah, nous vous commençons à prendre ben adab et ben sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant dormir et aussi ben erreur qui nous a invité. Mais en premier, nous guettons l'importance de ce sujet-là. Premièrement, c'est quand nous pouvons apprendre concernant ben, le sunnah, le prophète, concernant Naomi, nous trouvons vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est bon, il est content, nous du bien, et il n'est pas fini de nous le dire, excepté pour nos bien-être et pour protéger nous contre Shaitan et tout ce même plan. Et comme ça même, ça peut augmenter nos convictions dans le dîn Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous peut trouver que vraiment, ce dîn-là, c'est un dîn qui est complet. C'est l'islam qui enseigne nous, comment viser Naomi. Alors, peine à doute qui, tout le monde les autres qui choses apportent ça, l'islam fin bizin, enseigne-nous. Chaque aspect de nous la vie, qui est plus important qu'il dormit, l'islam fin enseigne-nous concernant sa manque de choses aussi. Et comment nous fin dire, nous dépensons presque un tiers de nous la vie de dormir. Alors, un musulman, quand il peut dormir, s'il peut dormir pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, alors peine à doute qui, c'est un moyen facile pour lui gagner une grande, grande récompense. Et quand nous pouvons apprendre concernant ce sujet-là, nous pouvons trouver qui, sa manque de sunnah-là, pour aider nous, pour réaliser qui nous pour miser quitte sa dunya là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait enseigner nous, prépare-toi pour toi le dormir. Qui manque quitte chose, tu viens faire avant toi le dormir. Alors ça, il fait nous comprendre qu'il y a un musulman, il est plus bien préparé pour qu'il quitte sa dunya là et aller. Et comme ça même, quand il va le dormir, alors un musulman, il peut évaluer qui quantité l'intérêt, il y en a pour dire Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous guettons la journée, il y a plusieurs sunnah qui nous capables de mettre en pratique pendant la journée. Mais nous faire paresse, ou bien nous tient prétexte, nous occuper avec travail, nous occuper avec loisirs, nous occuper avec famille, etc. Mais là, quand nous avons dit qu'on dormi, il n'est pas fait business. Quand nous avons dit dormi, il n'est pas fait travail. Ou bien il n'est pas fait traverser l'état avec Benjamin. Mais il fait une mise à libérer de tout monde qui chose ce qu'il est là pour faire, pour qu'il soit capable de dormir. Mais si dans ce moment-là, Benjamin n'est pas fait pense, pour mettre en pratique sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais comment il ne pourra pas prétendre qu'il est amoureux de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même quand nous pouvons apprendre ben, sunna concernant Naomi, nous vous trouvez qui bida et dans ce place de din Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si sunna nous pas encore gagner l'état mais tout en pratique, mais quand nous pouvons gagner l'état alors le bida pour qu'il puisse nous capable pratiquer. Alors ça c'est un petit peu en gros l'importance à prendre concernant ben, sunna qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous concernant Naomi. Alors première chose concernant Naomi, c'est qu'un dimon quand il rentre sur la case même, il rentre avec non Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand il dit qu'il rentre sur la case, il pense à Allah. Au moment qu'il est rentré et au moment qu'il est mangé, Shaitan, il dit à les autres Shaitan, paye la place pour que je passe la nuit ici et paye la dîner pour que je.
Alors, un jimon qui rentre sur la case sans qu'il dise Bismillah, c'est qu'on m'a dit invite Shaitan, viens dormir dans la case. Viens dormir ensemble avec moi dans la case parce que quand il ne dit pas Bismillah, il rentre sur la case. Shaitan, il rentre ensemble avec lui et pour passer la nuit dans la case. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit mais s'il rentre sur la case sans penser à Allah, au moment qu'il est rentré, Shaitan lui dit je finis une place pour que je passe la nuit. Et s'il n'y pas pense à la moment qu'il peut manger, Shaitan lui dit je finis une place pour que je passe la nuit et je finis un dîner aussi. Alors, combien parmi nous ne peut rentrer dans la case sans lui dire Bismillah? Combien parmi nous ne peut manger sans nous dire Bismillah? Alors, nous peut nourrir Shaitan dans nous la case. Nous peut donner Shaitan une place pour rester et nous peut donner Shaitan à manger. Alors, c'est nous-mêmes qui peut dire Shaitan, c'est nous l'ennemi ça. Mais qu'est-ce que nous travaillons? Comment nous réagir face à ça qui chose? Alors, il est important qu'un musulman, quand il rentre sur la case, il rentre avec Bismillah, il pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, un musulman, il n'a pas le droit à dormir, excepté après qu'il finit finir faire salat Isha. Alors, définitivement, un monsieur, salat Isha, dans le mesdine, en jamaat, un madame, salat Isha, de sur la case, de sur l'air. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun salat qui plie lourd le man mounafik. Il n'y a aucun salat qui va hypocrite, je te sens, qui sent lourd aux autres, qui salat Fajr et salat Isha. Fin des autres salat, dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man mounafik, je te comprends ça qui se faisait. Pour moi, même rôle musulman, bon, vous avez fait salat, parce que c'est musulman qui fait salat, kafir va faire salat. Alors, ben, mounafik, zohar, asar, maghrib, je suis présent dans le masjid. Mais Fajr et Isha, ça dit-il lourd aux autres, alors je suis absent. Et la fois je suis béni, et la fois je ne suis pas béni. Alors, ça c'était un signe pour connaître qui s'en a qui vraiment est sincère et qui s'en a une hypocrisie dans ce l'équerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si ben là tu connais récompense, qui est dans sa désolat là, ben là tu pouvais accomplir sa année là, dans le masjid, même si je fais misère, ben on se capte pas. Alors, si man musulman, je suis comme valier sa désolat là, même si je fais misère, ben on se capte pas pour venir faire salat. Fajr et Salat Isha, dans le masjid, alors je suis pour faire dit, mais malheureusement, nous connaissons qui constait insouciant ou insouciant concernant dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et, peine à doute qui, sa désolat là, il y en a une récompense spéciale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lui fait salat, Isha, en jamaat. C'est comme s'il lui fait salat pendant la moitié de la nuit. Et c'est lui qui lui fait salat, Fajr, en jamaat. C'est comme s'il lui fait salat pendant toute longue la nuit. Alors, un monsieur qui lui fait salat, Fajr, et salat, Isha, en jamaat, de masjid, les gars récompensent qu'on m'a dit, il fait dégoûter pendant une nuit et demie. C'est-à-dire, ça dit, la moitié de la nuit, plus la nuit encore. C'est-à-dire, ça dit, il déboute pendant un long temps dans l'ibadet, dans le salat, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas une action qui est facile. Nous disons, il déboute pendant une heure, même, il est senti fatigué. J'ai dit, il déboute pendant une heure la nuit, il est plus fatigué. J'ai dit, il déboute pendant la moitié de la nuit, capable de ne pas vous déboute. Ou bien, j'ai dit, il déboute pendant toute longue la nuit. Pour faire ibadet, Allah subhanahu wa ta'ala, alors, peine à doute qu'il n'y a pas quelque chose qui est facile. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner nous récompense cette action-là. Qui nous fait salat Isha, nous fait salat Fajr en jamaat, l'inéza obligatoire au Ban Miché pour se faire sa salat-là en jamaat. Pour sa zeste bonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là, pour ça, il peut montrer nous valer sa ban salat-là, il peut récompense nous et nous au même pour sa ban ibadet-là. Et comme ça même, elle qui est responsable de la case, alors il n'y a pas d'église, man qui sous responsabilité, et ensuite il y a l'omi. Alors un papa, ou bien maman, il y a l'omi, et les enfants encore, si pas le portable, ou bien encore le laptop, ou bien encore le computer, ou bien peut-être admire, haram, la télévision, ou bien, comme il y en a certains, les enfants pas encore, même rentrent dans la case, ils n'y a pas l'omi, ils ne peuvent pas casser la tête, ou bien plusieurs, man, les autres PC, qui, comme on dit, il n'y a pas l'omi, ils connaissent, sa famille, dans tel PC, et il n'y a pas prendre compte, il peut l'église, même qui sous sa responsabilité. Mais il y a d'autres qui ne vont pas répondre concernant ça le jour du Qiyama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il peut demander sa responsable concernant man qui est sous sa responsabilité. Est-ce qu'il fait une préserve ça ou bien il fait une perdue jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut demander sa zone concernant la famille de sur la case. Alors, sa monsieur, les pauvres répondent devant Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il fait assume sa responsabilité concernant sa famille correctement ou bien il fait néglige qui pas fin assume sa responsabilité là pour ma bizin. Et parmi les adab qui nous a respecté, c'est n'a pas rescosé après salat Isha. Alors, il n'est pas correct pour qui El Jimoun les rescosé après salat Isha
et il a dormi tard dans la nuit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas content dormi avant faire son Isha et n'est pas content causé après son Isha. Abu Balza radiallahu anhu dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas content dormi avant Isha et n'est pas content causé après sa salat là. Et Aisha, madame Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit bon pas qu'il trouve les messagers d'Allah dormi avant salat là, c'est-à-dire avant son Isha, et non plus qu'il me fait trouver lui causé après sa salat là, c'est-à-dire sans nécessité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam après Isha n'est pas qu'il reste causé, mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam si pas tu n'as rien après ça, l'espérant de cela, l'espérant de l'homie. Alors, un musulman, sans aucune nécessité, les visages pas causés après son Isha. Si il y a une chose importante, il y a une leçon, ou bien il y a une causerie, ou bien il y a une réunion, ou bien il y a une chose importante, alors Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Mais reste éveillé après son Isha pour causer une chose inutile, ou bien pour faire une action qui n'est pas pour profiter du monde, ni de ce dunya, ni de l'akhirat, ou bien du monde, il peut rester dans la nuit. Ou il y a du football, ou bien il y a un film, ou bien il peut faire un PC. Alors ça c'est pas quelque chose qui n'est pas permissible. Et comme ça même, un parmi les ibadat qui est recommandé, nous mettre en pratique avant de dormir, c'est qui nous faire salat une nuit avant de dormir. Si un du monde peut connaître, il est capable de lever avant salat une fête, il est capable de faire ce salat une nuit. Alors il y a un temps, le matin il lève, il fait ce salat une nuit avant salat une fête. Mais si il est fatigué, ou bien il connaît, il n'est pas capable de lever avant salat fajr, alors il met hier, il finit de faire ce salat al-witr avant d'aller dormir. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui parle de dormir jusqu'à qu'il ait fini de faire ce salat al-witr, il y a un djimoun qui fait. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut flatter sa djimoun, il peut faire éloge de sa djimoun qui lit, il finit de faire ce salat al-witr avant qu'il aille dormir. Et Abu Hurayra radiallahu anhu dit, mon camarade intime, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de moi trois conseils qui ne m'ont pas pour abandonner ça jusqu'à mon amour. Garde trois jours roza chaque mois, fais salat de duha et fais salat de witr avant de dormir. Alors, un musulman, s'il n'est pas capable de lever un matin, alors il lève, il fait ce salat de witr, mais sinon, il n'est pas à dormir, excepté après qu'il ait fini de faire ce salat de witr. Et si tu as un salat de witr, il y a quelque chose qui est important, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, même pendant le voyage, n'est pas typé de laisser ce salat là. Comme Ibn Umar radiallahu anhu dit, dans le voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait salat de l'ail, le se monture, c'est-à-dire pas le salat nafil, après Isha, il se fait l'île, le se monture. Dans n'importe quelle direction qu'ils animent là, ils peuvent virer en faisant signe, excepté ma salat falaz, et ils peuvent faire salat une huit aussi dans ce monture. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'on va aller à sa salat là, et il peut montrer nous l'importance de sa salat là, jusqu'à dans ce même voyage, il n'est pas si pédé laisser salat une huit. Et il y a empêché pour qu'il y ait du monde, il dormit le toit d'un bâtiment qui peut n'avoir aucun barrage autour de ça. Autour de sa toile là. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui finit dormir loin de la case, l'eau laquelle peine à aucun barrage, et ensuite il finit tomber, il finit mort, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour prendre ses responsabilités. Alors l'islam finit condamne négligence dans tout ce mal forme. Un djimoun n'est pas pour précaution, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour prendre ses responsabilités. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il retire sa djimoun là sous sa protection, alors si sa djimoun là finit arrivé qu'il dit tout, il n'est pas capable d'âme excepté lui-même. Et comme ça même, l'idée est détestable pour qu'il y ait des gens qui dorment tout seul dans la case. Comme Ibn Umar radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher la solitude. Alors, un djimoun, il dormit pendant la nuit, il tout seul, ou bien il voyage, il tout seul. Alors, tant que capable, un djimoun, il évite ça qui se fait. Pas dormir tout seul dans la case et n'a pas fait un voyage tout seul. Et comme ça même, parmi ma qui chose qui est bien important, c'est avant de dormir, nous obliger à faire la porte. Nous obliger à couvrir un récipient et nous teindre la lampe. Alors, un musulman, il parle dormir et qu'il lui laisse différents aliments. Sur la case ou bien autour sur la case. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, couvrez un récipient et attache le sikhar, c'est-à-dire récipient qui m'a lâché servi pour garder le là-dedans qu'il y a en la peau. Il dit parce qu'il sait que l'année est la nuit pendant laquelle l'épidémie descend. Si ça l'épidémie là, il passe côté un récipient qui pas fin couvert ou bien côté un sikhar, un autre récipient qui garde l'eau qui pas fin attache lui, excepté qu'il y a une partie de ça l'épidémie là, il tombe là-dedans. Alors un musulman avant d'aller dormir, il couvre tout ce ban récipient. Ce qui est la couverture, il couvre avec ce couverture. Ban ce qui est la bousson, il ferme lui, il met ce bousson là. Si peine à savoir quelque chose là, au moins il prend la toile, il couvre ban récipient, mais il pas laisse lui découvrir comme ça même. Et qui fait? Parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe nous.
et ne la nuit pendant l'année, qui est l'épidémie, qui descend, et alors il a affecté tout mon récipient qui je suis reste découvert. Alors, si un dimon il fait laisse ce mon récipient découvert, il y a ça risque là, qui est capable d'affecter par ça l'épidémie là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, couvert mon récipient, attache mon corps, ferme mon la peau, et empêche de mon petit enfant sortir, l'air et chasse. C'est-à-dire, à partir du soleil, il fait coucher jusqu'à Aïcha. Alors, pas les petits enfants sortir ça là. Il dit, quand ça là, c'est l'air qui m'a dit, je éparpillé et je arrache ma petite chose en vitesse. Alors, maintenant, je finis expliquer ça. Je dis, ça là, m'a dit, je éparpillé et ce mouvement-là, je suis capable d'enlever ou bien je suis capable de kidnapper mes enfants. Je suis capable de kidnapper mes enfants ou bien je effraie ça mes enfants-là. Alors, ce n'est pas le moment pour qu'il m'a dit, nous laisse mes enfants en dehors tout seul, ça m'a dit là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tiens, il la lampe, quand je peux dormir, il dit, il est possible qu'il ira, il risque la mèche et il brille mon habitant dans la case. Alors, tant capable, un petit enfant, il passe au petit sabbat là. Les maghrib, jusqu'à qui il arrive, Aïcha, excepté si il y a une nécessité, il peut bien sortir, alors il sortit en compagnie d'un grand jimoun. Mais tout seul, les enfants, ils ne restent pas restés, ils ne passent pas à jouer de haut, ça m'en est là. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Et Ibn Abbas, on dit Allah, on dit, une fois, il les raffine vini, il fin commence, risque la messe dans la lampe, il fin amène li, et il fin zette li juste devant le messager d'Allah, l'eau nat qui, le prophète, il persise au là, et ça, il fin brille le bout de sa nat là, l'osé, il dit, comment dire, une roupie, ça fin brille ça, sa nat là. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fin dire, quand je dormis, t'en y zot ban la lampe, quand Shaitan, il montre ça, les rala, ça, la lampe là, alors, il brille le zot. Alors, ça, c'est, une autre question, c'est pas laisse aucun ban diffé allumé pendant qu'il nous peut dormir. Et Abu Moussa, radiallahu anhu, il dit, elle la case, tu prends diffé de Medina, pendant qu'il se met habitant, tu peux dormir dans la nuit. Quand Manna fin raconte ça le prophète, alors il fin dire certainement, ça dit fait là, c'était l'ennemi pour eux. Alors quand je peux aller dormir, alors t'es il dit. Alors il n'est pas permissible, laisse aucun diffait animé pendant qu'il ne peut dormir. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, fais ban la porte et prends nous Allah subhanahu wa ta'ala, quand Shaitan n'est pas capable d'ouvrir la porte qui fin fermée. Alors avant de dormir, ferme la porte, j'ai bismillah, pour que Shaitan n'est pas capable d'ouvrir ça la porte là. Et il recommande, avant de dormir, si nous fin mange, ma petite chose qui est dans le gras, avec nous la main, la viande, etc. Alors nous lave nous la main, nous reste nous la main bien, nous enlève le nez de sa gras là, donne nous la main, ensuite nous allons dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est lui qui a dormi pendant la nuit et qui dans son main finit dans le gras, la viande qui finit rester. Alors quand arrive la petite chose, qu'il n'est pas blâme, excepté lui-même. Alors si un dimon finit à dormir, il n'est pas de lave sur la main, encore il a sa gras là dans son main. Il y a une possibilité, un bébé, un insecte capable de manger sur la main même, ou bien être capable de piquer, ou bien être capable de manger l'eau, je pose l'eau sur la main. Et puis, il y a un doute qui n'est pas quelque chose qui est propre, il n'est pas quelque chose qui hygiène. Elle dit, moi, il peut dormir, il peut consentir la viande sur la main. Alors, il y a un doute qui, à part qui, premièrement, c'était le sunna le prophète, pas dormir, excepté qui, ou fin enlève. Ça le dit à la viande là, dans la main, mais c'est une chose qui est hygiénique aussi. Et comme ça même, il recommande, avant de dormir, nous dormir avec woudou. C'est-à-dire, du monde, il fait woudou, ensuite il a dormi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand tu viens, quand tu mates là, fais woudou, comme tu as habitué, fais woudou pour salade, ensuite allons-toi l'autre côté droite. Et ça aussi, c'est une action qui est naine. Elle vertu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui a dormi dans l'état de Tahara. Elle dit, il a dormi avec Woudou. Il dit, un ange reste avec lui pendant toute longue la nuit dans ce linge qui touche sur l'écho. Il n'y a aucun moment qui sa djimoun là se sommeil est cassé, excepté qui sa ange là. Il demande doua pour sa djimoun là. Il dit, Allahumma gfir li abdika fulan, fa innahu bata tahiran. Oh Allah, pardonne ton esclave un tel, quand il finit dormi dans l'état de Tahara. Alors, si nous avons envie de bénéficier de doua de sa ange là, nous allons dormir avec Woudou. Et même si un djimoun est dans l'état de Janaba, alors là aussi il est recommandé d'aller faire Woudou ensuite. Il montre le soleil, comme Aïcha radiallahu anha, il dit, quand le messager d'Allah est dans l'état de Janaba, il se fait rouler à dormir, il se fait faire Woudou ou bien il se fait faire Tayammum. Et il y a une première pratique que beaucoup de gens veulent faire, c'est je vais faire des rakats avant de dormir. Il va dormir, matin je vais faire des rakats après moi dormir. C'est-à-dire tous les jours, avant de dormir, il fait des rakats spécifiques, ensuite il va dormir. Alors ça, peine à aucun. Ben hadith qui lui mentionne ça qui se faisait. Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, dit quand tu as salat avant de dormir, fais-le continuellement. Je ne connais pas qu'il y en a qui souffrent depuis le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un djimoun lui fait des rakats spécifiquement. Ensuite, il a dormi, ça c'est une chose qui est capable de vivre. Et parmi
Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mettre ifmid, c'est-à-dire une forme de kajal, qui maintenant, je suis permis dans l'époque le prophète, je mets ça dans les autres lisées, alors il dit, mettre ça quand je t'ai dormi, il fait un lisée trouve clair, et il fait un bansi poussé. Et avant de montrer l'eau, Lili, alors les sunna pour nous passer, nous isards, c'est-à-dire nous linge, ou bien n'importe qui la toile, l'eau s'aligne là avant nous dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un n'a pas besoin de montrer ce matelas, qu'il y tape ce matelas avec partie interne de ce isard, parce qu'il n'est pas connu, c'est qu'il fait une montre là après lui. Alors ça c'est une première partie concernant ben, sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de dormir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui mette compréhension de nous le cœur. Amin. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Et parmi ma sunna, c'est quand on a dormi, nous dormi dans le côté droite, avec nous la main droite en bas de la joue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu vis, quand tu matelas, fais wudu, comment tu fais wudu pour salat, ensuite allons-y, l'autre côté droite. Et vous avez fait le yaman, radiallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux décider pour dormi, il se fait poser sur la main en bas sur la tête. Ensuite, il se dit, Allahumma qini adhabaka yawma tajma'u ibadak. Oh Allah, protège-moi contre tes punitions, zou qui te vous rassemblez, tu m'en esclave. Alors, quand nous allons nous mettre, nous, dans la position droite, nous tournons d'un côté droite, nous dormons, et nous servons la main droite comme un oreiller, nous mettons la main droite en bas, nous la jouons, et nous dormons. Et comme ça même, les haram, les pas permissible pour qu'un djimoun, les dormi l'eau sur la vente. Un djimoun, les dormi l'eau sur la vente, ça n'est pas permissible. Comme Abu Hurayra radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une passe côté un djimoun qui peut allonger l'eau sur la vente, alors le prophète finit tous avec son pied, et il finit, j'ai dit, certainement, sa façon allongée là, Allah pas content ça. Et comme ça même, elle le place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se dit, ça c'est position d'un habitant d'enfer. Alors un musulman n'est pas dormi dans sa position là, n'est pas dormi dans position qui n'est pas allongée sur le ventre. Et quand nous dormons, il y a une conception qui nous pas gagne droit à mettre nos pieds dans la direction Qibla, ou bien nous pas gagne droit à vers nos lits dans la direction Qibla. Alors ça peut n'a aucun l'empêchement d'un hadith authentique concernant ça qui se fait. Comment Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, Hafidhahullah, dit, étant délipié vers Qibla, ce n'est pas un manque de respect pour mon symbole d'Allah. Comment il connu, si un djimoun peut allonger le soleil d'eux, ou bien il est malade, l'Ibiza étant se délipié vers Qibla, s'il peut faire salat en allongeant le soleil d'eux. C'est-à-dire, un djimoun est malade, il ne peut pas qu'à lever et allonger. Alors là, il recommande qu'il s'agit djimoun là, les malades, ils ne peuvent pas lever, ils mettent se délipier de la position, Qibla pour lui faire salat. Alors, ils disent, les bouts de sa façon là, et ne pas dire que ça, c'est un manque de, c'est pas un manque de respect. Et Cheikh Abdul Aziz Al-Rajih, Hafidhahullah, disait, pas de problème, si un djimoun est temps de se délipier, ou bien il allonger dans la position Qibla. Et quand un musulman il va dormir, alors il fait ses efforts pour qui sa sommeil qu'il va faire là, ça devient un ibadat, devient un action qui pour ça, il peut être récompensé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'imam al-Nawawi rahimahullah dit, quand un djimoun il fait quelque chose qui originalement est permissible, mais il vise le plaisir d'Allah pour ça, il est récompensé. C'est comme par exemple, un djimoun il mange avec l'intention renforcer lui pour être obéissant à Allah, et dormir avec l'intention reposer afin qu'il est levé pour faire ibadat avec la vivacité. Alors n'importe qui djimoun il finit dormir avec l'intention de dormir pour me faire Allah plaisir, pour capable lever pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Ça 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'il est dormi là, les péguins et récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est lui qui n'a dormi, il a dormi comme ça même, il est fatigué, il est glissé sur les cours comme ça, il dormi, il n'a pas fait aucune intention qui fait qu'il a dormi, ça dit moula. Alors, d'une façon, il perdit sa man l'étant là, au lieu qu'il est capable de gagner beaucoup de récompenses. Et parmi man, Adab, c'est un djimoun qui a dormi avec l'intention levée pour qu'il y ait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lui montre ce matelas avec l'intention qu'il est pour lever, pour faire salat pendant la nuit, et fin arrivé qu'il finit reste dormi jusqu'à le matin. Allah subhanahu wa ta'ala est crié pour lui ce qui tient dans son intention, et ce sommeil vient d'un sadaqa de la part de son Rabb l'Oli. Alors un djimoun, il fait l'intention sincère, il est pour lever, pour lui faire salat pendant la nuit. S'il finit de s'élever, alhamdoulilah, il peut gagner récompense là. S'il n'est pas de s'élever, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne les récompenses de sa action qui est faire là. Alors ça c'est
certains parmi les adab et les sunnah qu'un musulman les a observé concernant dormir aussi certains man erreurs qui nous a invité de demander Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait nous profiter avec ce qui nous fait apprendre et lui aide nous pour nous mettre en pratique sa man qui soza tous les jours et lui fait nous man sommeil vin man ibadat à travers laquelle nous peut être récompensé pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide nous et lui fait nous tirer ferme le sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam les protéger pour man erreurs man bid'a et man manquement qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous et les mette dans la jannah du firdaus وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.